Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde du salon Nice Fiction, table ronde qui aura pour thème le jour d'après, comment la science-fiction imagine le reboot après une crise ou une catastrophe. Je suis en compagnie de Vinsou, aka Vincent Hubert, créateur du jeu de rôle Lui-même. Crystalis Chronicles, et de Kurt McLung, narrative designer dans le milieu du jeu vidéo et également, il travaille également dans le milieu du jeu de rôle. Nous serons également en compagnie de Sarah Newton, autrice de Mindjammer, qui nous rejoindra d'ici peu. Et je serai votre hôte, Gauthier Durand-Madron, auteur de la saga Au nom des dieux. Tout d'abord, pour commencer, j'aimerais vous demander ce que pour vous vous entendez lorsqu'on vous parle de reboot. Après une crise ou une catastrophe, qu'est-ce que pour vous ça évoque? Eh bien, pour moi, un reboot, c'est un retour à zéro, c'est complètement un nouveau départ. Donc, après une catastrophe, ça implique qu'il y a eu un monde avant l'événement et un monde après. Donc, c'est redéfinir des règles avec les éléments qu'il y a eu avant et ceux qui sont devenus après, en prenant en compte les événements de la dite catastrophe, qui puissent avoir des liens dans le monde d'avant et d'après. Donc, un reboot, c'est un nouvel univers avec des bases qu'on avait déjà connues avant. D'accord. Oui, mais pour moi, c'est en fait dans la même veine. Pour moi, il y a des moments dans le monde où on a des singularités, en fait, comme le Horizon Event, comme la mort de Kennedy, comme le Deuxième Guerre mondiale, comme il y a des moments qu'on n'a pas pu voir venir. On pense après coup qu'on aurait pu les voir venir, mais on n'a pas pu. Ils sont venus. Et tout d'un coup, il y avait quelque chose qui. 9-11 pour les Américains, World Trade Center est tombé. Covid est un élément comme ça. C'est-à-dire qu'on aurait pu le voir venir. Donc là, maintenant, on a vécu tous quelque chose de manière planétaire et ensemble, qui a fait qu'on est entré dans un nouveau trou noir et quoi qu'on veuille faire, on ne pourrait plus jamais oublier ça, cet événement mondial. Du coup, pour les auteurs de fiction de tous genres et je dirais science-fiction et fantasy en particulier, mais de tous genres, en fait, même des contemporains, des espionnages, des détectives, on doit intégrer les leçons qui étaient prises par la société, au moins les constats qu'on avait faits et chacun a essayé de livrer son opinion personnelle. Envers ces fictions, après ces similarités. Pour moi, pour faire très simple, tous les auteurs de fantasy, en fait, en général, nous, on ne regarde pas l'avenir pour imaginer les futurs possibles de l'humanité. On regarde en cherchant des choses qu'on aurait perdues dans les sociétés avant. Donc, c'est un peu une recherche des valeurs tribales, les valeurs qu'on aurait perdues. Et je crois que Covid nous a donné beaucoup des chances de réinventer la fantasy parce qu'on a découvert plein de choses qu'on avait oubliées. Être à la maison, jouer aux sociétés avec la famille, être avec sa compagne pendant 3 mois de suite. Et pour les auteurs de science-fiction ou d'anticipation, c'est la même chose. Mais notre but n'était jamais vraiment de autant de regarder ce qu'on a perdu, c'était plus de regarder qu'est-ce que ces nouvelles technologies qui nous arrivent un après l'autre vont poser comme question éthique et qui vont poser comme normes futures ou dangers futurs pour l'humanité en tant que groupe, en fait. Donc, un, c'est les valeurs qu'on aurait perdues et les autres, les valeurs qu'on doit se construire ou de réinventer pour faire face à ces nouveaux bonds technologiques. Ça, en grosso modo, pour moi, c'est ça que je dirais, le reboot maintenant, ça veut dire qu'avant, on n'avait pas intégré COVID, maintenant, on doit intégrer COVID parce que chaque être humain sur la planète l'a vécu. C'est comme l'invention de feu, l'invention des trains, l'invention d'Internet, c'est des singularités similaires. Et celui-ci, c'est peut-être la première qu'on aurait vécue depuis 9-11, qui est si mondiale. Peut-être vous avez d'autres idées, mais je pense que c'est vraiment celui-là qui est vraiment. Il n'y a aucun auteur sur la planète qui peut ignorer le fait qu'il y a eu Covid. Effectivement, c'est vrai que c'est un événement qui nous aura tous impactés de plus ou moins loin. On aura connu des gens qui auront été malades ou nous-mêmes nous aurons été malades. Donc pour l'instant, on part sur vraiment deux grandes conceptions du reboot, à savoir l'événement, un événement précis qui entraîne un avant et un après,
Et toute cette question des valeurs, qui peut être aussi quelque chose de très intéressant à aborder dans la thématique du reboot, des valeurs qu'on recherche, qu'on aimerait redécouvrir, et des valeurs qu'on aimerait retrouver. D'ailleurs, l'un des genres qu'on voit le plus exploiter le concept du reboot, c'est le post-apocalyptique. Si vous voulez m'interrompre pour ajouter quelque chose, n'hésitez pas, hein, faut pas attendre que j'ai fini. Mais voilà, dans le post-apocalyptique, il est vrai qu'on voit vraiment cette conception de reboot. Et également, on peut voir, là, ce que tu disais, Courte, les deux concepts, à savoir des personnes qui vont se réfugier dans le passé pour retrouver des valeurs, retrouver une société qui avait fait ses preuves, et d'autres qui vont plutôt aller chercher dans la conception, dans la création de nouvelles valeurs pour créer une nouvelle société. Je peux donner un exemple. Je travaille sur un dessin animé en ce moment-là, en fait, où on est en train de pitcher, donc il est encore en stade de pitch. Je ne vais pas trop dans les détails, mais pour faire court, c'est une histoire où les enfants se jouent à la maison avec des robots comme prof, en fait, en gros, hein, c'est l'histoire du pitch. Et avant le Covid, le pitch package était un peu différent parce qu'on avait beaucoup de mal à le vendre, l'idée. Tu as les enfants à la maison pendant un an avec le prof à domicile. C'était le fait. Et dans le contexte du projet, l'école était interdite. Et ça faisait très totalitarienne, très, très. Genre maoïste, je ne sais pas, qui avait pris ça. Donc, du coup, ça donnait un côté dark à l'univers qui marchait pas très bien avec les 8-12 ans. Maintenant, on l'a ressorti, on l'a redoré, on se rend compte que non. Le fait qu'on trouve les enfants à la maison, ça peut être un truc comme le Covid qui les provoque. Donc, du coup, on peut imaginer que tout notre système éducatif est changé d'une manière généreuse et surtout bienveillante envers les personnes plus âgées. C'est pour ça qu'on aurait abandonné l'école. Pas qu'il y a une totalitaire, qu'il y a toutes les écoles aussi à la maison. Non, c'est ce genre de truc-là. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, va affecter toutes les hypothèses des auteurs de science-fiction, parce que à partir du moment donné, on n'aurait jamais pu imaginer, à mon avis, que des gens resteraient chez eux parce que c'était pour le bien des autres. Donc, dans les choses avant Covid, quelqu'un qui t'oblige de rester chez toi pour une curfew ou aller jamais dehors, à part juste pour acheter de la bouffe et tout ça, c'était vraiment totalitaire. C'était pas du tout dans une république ou une démocratie, en fait. Donc, ça, et on a tous vécu en plus, c'est ça, et on a tous voulu le faire. Donc, du coup, ça ouvre une possibilité que je n'ai jamais, jamais imaginée, parce que c'est une situation, des contextes, et je ne l'ai jamais vu non plus, des gens qui restaient chez eux par choix, entre guillemets, parce qu'ils ne voulaient pas faire du mal à le pont des gens plus anciens, plus âgés. C'était quelque chose d'extrêmement bienveillant, d'extrêmement solidaire, et on se trouve à la maison, en fait. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très, je crois que tu cherches le mot, mais quelque chose de tellement nouvelle ou intéressant que ça ouvre plein d'autres idées à imaginer de n'importe qui, en fait, pour imaginer, tiens, pour imaginer une situation où les gens restent bloqués dans leur voiture pendant 2 jours parce qu'ils ont peur d'infecter quelqu'un d'autre. On peut imaginer des chiens et des chats qui sont les seuls à être capables de sortir dans cette société, dans une message. On peut imaginer pas tu. Et ça, je ne pensais pas qu'on aurait eu ces idées-là avant le Covid. Bah, C'est pour ça que les reboots, chacun doit avoir Kurt a absolument raison, parce que c'est vrai que le Covid, ça a été un événement tellement mondial que nous vivons encore. Ça a redéfini certaines règles, ça a redéfini nos habitudes. On vivra plus jamais maintenant et après comme on a vécu comme avant. Je veux dire, le petit bar qui était en bas de chez toi, qui a toujours été ouvert, même le dimanche et tout ça, bon, maintenant, aujourd'hui, il est toujours fermé. Bon, là, ça réouvre, mais même quand ça réouvre, on voit bien que de toute façon, c'est plus pareil. Donc, on est en plein dans le thème du on est en plein dans le thème du festival, on est en train de vivre le reboot, on l'expérimente soi-même. Donc, tirer les conséquences, les leçons des erreurs d'avant, que ce soit à titre personnel, comme disait Kurt, pendant ces 2 mois de confinement, on a appris quelque part à se redécouvrir soi-même aussi, parce qu'on a vécu dans des conditions qu'on n'a jamais connues avant. Je veux dire, être enfermé à la maison avec tout fermé dehors, mais ça a été une première mondiale. Donc maintenant, pendant ce confinement,
Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a redécouvert certaines valeurs de solidarité. Il y a eu des systèmes d'aide aux personnes un peu isolées, tout ça, qui ont été mis en place spontanément de la part des voisins ou quoi, qui pouvaient se faire avant, mais qui se sont un petit peu plus généralisés. Ça, c'est des choses de magnifiques. Je veux dire, l'être humain, il a une qualité qu'on ne pourra jamais lui enlever. Je veux dire, il aura toujours ses mauvais côtés de par certaines personnes et tout ça, mais il a toujours aussi une énorme qualité qui fait qu'il est unique, c'est l'adaptation. Je veux dire, on s'est toujours adapté, que ce soit pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des vagues énormes de bombardements des villes. Les gens se sont adaptés et se sont réfugiés sous terre le temps qu'il fallait, et la vie s'est organisée comme ça. Et ben, ça a été comme ça aussi pendant la période du confinement. Donc maintenant, c'est en train progressivement de se terminer. Bon, il y aura peut-être une deuxième vague ou pas, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, avoir vécu ce premier confinement, ça nous a donné déjà une première leçon de comment vivre pendant l'événement, voire mieux appréhender la suite. Donc même pour anticiper les aides aux plus démunis pour demain, quoi. Et donc là, en fait, ce que tu dis, Vinsou, est extrêmement intéressant parce que ça tranche un petit peu avec ce qu'on a l'habitude de voir en fiction, à savoir qu'on aurait vécu un reboot extrême, enfin, qui amènerait extrêmement de valeurs positives, qui permettrait à la population de s'améliorer dans tous les sens du terme, alors que généralement en fiction, ce qu'on voit quand il y a une catastrophe, une crise, une épidémie, pour reprendre l'exemple, le genre du zombie ayant parfaitement montré toute l'étendue de ses capacités, ou même une catastrophe naturelle, souvent ce que les auteurs dépeignent, c'est plutôt un reboot très négatif. Où les pires travers de l'être humain sont mis en avant et où les bas instincts doivent reprendre le dessus. Donc en fait, est-ce que vous pensez que là, dans ce cas-là, la fiction aurait réussi à transmettre ses enseignements et ses messages à la population à qui elle était destinée? Alors, la différence entre tout ça, c'est que toutes les œuvres de fiction post-apo et tout ça qu'on a pu connaître avant, ça reste de toute façon de la fiction. Et nous, aujourd'hui, on est dans le réel. Pour tout auteur de fiction, quand il y a une singularité mondiale comme ça, maintenant, que tout le monde a vécu ensemble de manière complètement incongrue comme ça forcément rebute nos réflexions, en fait. Moi, par exemple, j'aurais eu beaucoup de mal d'imaginer l'Amérique où les gens restreindre d'eux-mêmes leur liberté de sortir pour autrui, pour les autres. Et ça durait 6 semaines. Après, on ne pouvait plus. Mais c'était quelque chose où qu'on aurait dit oui, il faudrait qu'on a une public health care parce que les gens qui ne sont pas couverts par la sécurité sociale de health, de santé, vont être obligés de sortir et la maladie va se propager. C'est-à-dire que le fait qu'ils n'avaient pas les moyens de ne pas travailler, parce qu'il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de ceci, tout cela, faisait en sorte qu'on prenait un risque comme population totale d'une pandémie comme ça. Parce que les pauvres ne pouvaient littéralement, ils veulent choisir mourir de faim ou mourir de maladie. Donc ils ont choisi maladie parce que c'était on meurt de faim, c'était assez sûr, on meurt de faim. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que toutes les 350 millions d'Américains et tout ça ne pouvaient pas. Cette situation n'existait pas avant, ce contexte n'existait pas dans la conscience collective. On n'en avait pas. Donc du coup, maintenant, il y a un discours en Amérique qui est presque socialiste, en fait, qu'on n'avait jamais, jamais. Mais moi, mes compatriotes, c'était des pires, des capitalistes, machin. C'était juste pas possible. Chacun, pour soi, c'est un doggy dog world, comme on dit chez nous. Mais là, j'ai vu pour la première fois depuis donc le Covid, qui a donné lieu à ce problème de protection du travail et de santé, qui donne maintenant lieu d'une espèce de riot pour l'ensemble des libertés de tout genre. Mais qu'on aurait restreint nous-mêmes nos libertés d'expression et de sortie, déjà juste de sortie, l'expression, on n'a pas réussi mais le fait qu'on n'allait pas sortir pour sauver les personnes, pour moi, c'est une singularité. Dans la conscience collective américaine, en tout cas, que je ne peux plus ignorer.
Je ne pourrais pas faire une fiction où ouais, les gens ils refusent de rester chez eux. Ce n'est pas possible parce qu'il y a quand même maintenant l'exemple. Les gens disent oui, on reste chez nous. Et on a vu ça un peu en Europe également. C'est juste pour mettre un peu ça c'est mon point de vue à moi. Mais je sais que tous les projets sur lesquels je bosse en ce moment, on m'a tous demandé de faire un repasse Covid. On a dit, je peux faire un repasse Covid. Et qu'est-ce que ça change? Donc, à part les détails qu'on a tous vécu ensemble, même je dirais qu'il y a des changements philosophiques qui ont eu lieu dans certaines populations des pays de l'Ouest, en fait. Et certainement en Chine aussi, en Asie aussi, je ne sais pas encore fait le tour. Mais ça, c'est mon premier travail maintenant, c'est de rebooter l'état du monde, parce qu'il faut du temps, parce qu'on n'a pas encore fini. On ne sait pas qu'on c'est pas encore fini. Et il y a beaucoup de projets sur lesquels ils sont bloqués, parce qu'ils attendent la fin de COVID pour voir. Comment, how does it shake? Tu vois, comment ça s'est secoué pour, et qu'est-ce qui reste comme le gâteau ressemble à quoi maintenant, tu vois? Et c'est un peu ça où je pense que pour moi, le reboot est obligatoire, en fait. Par défaut. Donc Sarah, je vais te laisser rapidement te présenter pour nos auditeurs et nos spectateurs. Et ensuite, je te poserai juste la question simple, à savoir, qu'est-ce que tu vois, toi, lorsqu'on te demande comment la science-fiction imagine le reboot après une crise ou une catastrophe? Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça t'inspire? Oui, Je te oui. laisse la parole. Alors, oui, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sarah Newton. Je suis auteur de jeux de rôle et de fiction. J'ai écrit plusieurs jeux de rôle, notamment le jeu de rôle de science-fiction transhumaniste qui s'appelle Mindjammer, et plusieurs d'autres aussi, Achtung Cthulhu, Legends of Anglaire, et il y a pas mal de titres. Et aussi plusieurs romans et nouvelles récemment aussi en français. Donc, merci de m'avoir accueilli ce soir. Pour le thème, j'ai réfléchi assez beaucoup avant de ce soir, juste pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde maintenant et pourquoi les événements actuels diffèrent tellement des événements qu'on a vus, par exemple, dans la science-fiction, comme la planète des singes, la course de Logan. Même en Star Trek, par exemple, il y a eu un apocalypse qui a été désastreux pour le monde et tout ça. Et la réalité qu'on voit maintenant est tellement différente que nos attentes que il y a quelque chose, je crois, il y a une idée reçue que nous afflige un peu. Et c'est quelque chose qui est dans notre civilisation depuis très longtemps. Et j'ai essayé de comprendre ce qui se passe. Et il y a eu déjà une grande catastrophe dans notre civilisation. Oui, nous habitons maintenant, ou nous vivons maintenant déjà dans le jour d'après d'une grande chute d'empire qui a eu lieu il y a 1500 ans. Et les événements qui s'en suivaient étaient bien sûr l'avènement d'un féodalisme quasiment universel dans l'Europe qui a créé une société qui était assez lourde, assez opprimante pour son peuple, et au résultat duquel nous avons reçu ces préconceptions, ces idées qui parlent de la manière dans laquelle nous allons réagir d'une nouvelle catastrophe similaire. Donc, toute la science-fiction, ou beaucoup de la science-fiction qui a été écrite ou mise dans les films sur la télévision, a toujours comme base l'idée que nous aurons un retour à la sauvagerie, un retour à une sorte de féodalisme primitif et violent qui allait opprimer toute la société, et qui est informé, je crois, par nos les épreuves de notre civilisation à la suite de la chute de l'Empire romain, bien que ça soit déjà très longtemps dans le passé. C'est quelque chose qui a informé notre perception historique des événements qui suivaient une telle catastrophe. Mais je crois qu'il faut maintenant notre civilisation actuelle est dans un état, on peut dire, post-impérialiste,
qui porte dans ses propres idées, dans ses propres idéologies, ces idées de féodalisme, de sauvagerie, du fait que si l'autorité centrale se retire, il y aura immédiatement un retour à cette sauvagerie tribale. Évidemment, il y a quelque chose qui cloche avec cette approche. Et je crois maintenant que on est plus proche peut-être aux idées de H.G. Wells dans la forme des choses à venir quand il a réalisé, il s'est rendu compte qu'il c'est l'existence de cette séquelle de notre période impérialiste, de notre période féodale qui nous pèse, qui nous afflige et qu'il faut s'en débarrasser de ça pour pouvoir avoir un vrai reboot vers une société plus honnête, plus solidaire. Et on voit maintenant dans notre société que oui, au lieu de la sauvagerie, au lieu d'un retour vers le primitif, on voit la coopération, même le sacrifice. Et c'est quelque chose qui est très important, je crois, pour les écrivains et les créateurs de science-fiction quand on considère comment une société assez civilisée comme la nôtre va réagir à un tel défi. Personnellement, je suis très influencé par H.G. Wells, par son approche optimiste à la nature humaine, que nous ne sommes pas des sauvages, nous ne sommes pas des bêtes, nous sommes des gens civilisés, rationnels, coopératifs, qui sont prêts à faire des sacrifices l'un pour l'autre. Et ce n'est que cette reste de cette, comment on dit, maladie historique de la chute de l'Empire romain qui pèse sur nous et qu'il faut que nous s'en débarrasse plus rapidement possible. Et c'est maintenant un débat qu'il faut avoir dans notre société, comment on va réagir après la fin de cette crise. Alors, c'est C'est très intéressant. Vincent, tu souhaites dire quelque chose? Vous m'entendez pas? Alors, oui, non, en fait, c'est sûr, alors, tout ce qu'a dit Sarah est impeccable, rien à dire dessus. Mais c'est vrai que pour le coup, j'ai plus grand-chose à dire. C'est juste ce que je me disais pendant le confinement, c'est que maintenant qu'on a tous vécu des scènes un peu catastrophiques, comme les cohues dans les supermarchés pour se disputer les premières, le papier toilette et tout ça, je me suis dit que maintenant, nous, auteurs d'œuvres de science-fiction, pour faire quelque chose de crédible, après qu'on ait tous vécu des scènes un peu similaires, va falloir revoir nos codes. Hein. Moi, je sais, je rejoins Goudou là. Vraiment, c'est le côté. Là, je viens de vivre une semaine horrible pour moi, pauvre petit Américain d'Indiana qui se trouve dans le sud de la France, en fait. Et j'ai vécu un moment donné où tous mes potes, auteurs américains et autres, sont en train de dire, ça y est, Trump va prendre le contrôle, il va déclarer la loi martiale, il a mis les militaires sur le Lincoln Memorial, là, il fait des murs de briques autour de la White House, quoi. Il a demandé que l'armée américaine prenne le contrôle des villes, 30 villes quand même. C'était le coup d'État qui est décrit par Machiavel, qui est décrit par Platon, qui c'est la fin de la démocratie quand la dictature arrive, le tyran arrive, et que c'était presque comme s'il avait utilisé tous les événements. On peut même imaginer qu'il a créé le Covid, qu'il a créé tout ça pour que ce moment arrive. Et de voir à tel point que même les généraux américains ont dit, mais quoi? Tu rigoles? Qu'est-ce que... Même, c'est-à-dire que les National Guard, ils disent, mais arrête, oh là là là, on va pas... Oh. Et ça, je rejoins beaucoup Sarah, et c'est... Ouais, en fait, tant que ça s'est pas arrivé, on peut pas dire qu'H.G. Wells avait raison. Moi, je suis resté quand même extrêmement touché par le Time Machine, tu vois, où il y avait quand même, c'était pas l'avenir le plus gai possible pour l'humanité, avec plein de gens innocents et de la bouffe et plein de cannibales qui géraient la société, où les deux futurs étaient juste terrifiants dans les deux cas, en fait. Mais
c'est vrai que cette mise en garde d'H.G. Wells, c'est la première fois que je pense à The Dark Ages de Moyen-Âge, en fait, comme cette peur collective. Mais c'est vrai qu'il y a, en Amérique, on a vraiment peur du gouvernement qui va nous prendre. On a des flingues chez nous. Parce qu'on est, et là, c'est la première fois que je vois, en tout cas sur le continent américain, un refus de la tyrannie, un refus de ça, et ras-le-bol. Est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est un printemps américain comme les printemps arabes? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment s'instaurer et qu'on peut passer ensuite chez nous au même stade que l'Europe, où on commence à s'entraider et tout ça? J'en sais pas. Mais en tout cas, merci pour l'éclairage de dire qu'effectivement, Sarah, que cette peur, elle n'est pas d'hier, en fait. C'est une peur dans la conscience collective qui nous pèse depuis 1500 ans. Je trouve ça... Oui, c'est une possibilité, oui. C'est... Pour moi, la peur qui est évoquée, ça a été plus l'obscurantisme qui a en suivi la tombée de l'Empire romain. Oui. Et c'est vrai que l'Internet est devenu une forme d'obscurantisme à l'envers, en fait. On a trop d'informations, tellement d'informations qu'on ne croit plus rien. Et c'est comme si on est tous devenus ignorants. C'est comme si la tour de Babel a explosé et tombé. Et maintenant, tout le monde parle un langage différent. Même sur c'est assez intéressant que nous quatre, on arrive à discuter parce qu'on a la même code. Mais c'est vrai que moi, j'avais commencé à sentir que cet obscurantisme est devenu, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, numérisme, le truc. Mais il y avait tellement d'informations et tellement de Facebook, de Fox News, de CNN, de BBC, de ceci, cela, qui en croit, encore plus personne, de toute façon, on revient à des valeurs obscurantistes religieuses, uniquement basées sur la foi. Et ce que j'ai vécu cette dernière semaine, c'était qu'on a toujours encore un test. On a fait notre Jade Sogard contre tyrannie, là, paf, c'est bon. On a fait un 19, c'était chaud. Bravo. Mais maintenant, est-ce qu'on va faire... Bravo. C'était dur, la difficulté, il était 17, là, je peux dire. Et du coup, on a fait 18. Alors, combien d'autres on va en avoir? Et je pense que c'est Tunuka qui écrit les histoires de possibles futur de l'avenir et pour l'humanité. Est-ce que vous croyez que on a réussi le dernier G ou est-ce qu'il y a encore des G à venir? C'est ça que je poserais comme. Moi, je crois qu'on n'a pas terminé. J'aimerais bien tenter une réponse à ça, si vous me permettez. Je crois que qu'on est maintenant dans une période qu'on peut caractériser comme la censure de la cacophonie. Oui, il y a une sorte de volonté de d'opprimer la communication universelle et internationale, globale d'Internet, en introduisant les fake news, la propagande, les idéologies, les mensonges et tout ça. On dit que chaque siècle commence avec une grande. Et aussi, chaque siècle de notre civilisation, depuis 3, 4, 500 ans maintenant, n'a jamais commencé la première année de cette siècle, mais plusieurs ans après, il y a toujours eu un conflit au début d'un siècle, depuis 5 siècles maintenant, où le vrai visage de ce siècle n'est pas en vue encore. On a eu les guerres du début du 19e, la grande guerre du début du 20e. Et maintenant, ici, je crois qu'on est en pleine lutte pour l'avenir, le vrai visage, la vraie réalité du 21e siècle. Et c'est le moment où le garde ancien, les pouvoirs anciens de féodalisme, d'impérialisme, voient qu'Internet introduise une liberté d'expression, une liberté d'information. Et ils essaient de détruire cette possibilité le plus rapidement possible en introduisant cette instabilité d'information. Donc, c'est une lutte qui est en cours maintenant. C'est une lutte qui essaie de contrôler et de détruire les possibilités de transformation sociale introduites par Internet. C'est quelque chose que nous sommes activement en train de faire maintenant, en essayant de lutter contre les propagandes,
de Trump, les fake news, les efforts de détruire cette société globale naissante qui est en train de se produire maintenant. C'est intéressant de considérer comment la science-fiction peut contribuer à ce processus. Et je crois que le retour à la sainteté de la loi, du respect pour la loi, pour la stabilité de la civilisation et tout ça, sont des choses qui sont tellement nécessaires. Et on peut commencer à décrire, à dépeindre comment les fondements d'une société peuvent être tracassés, peuvent être détruits par ces forces nuisibles qui nous menacent maintenant. Oui, c'est quelque chose qu'on voit dans Asimov, on voit bien sûr dans Star Wars, on voit aussi dans H.G. Wells, bien sûr, dans La Ferme des choses à venir. Personnellement, qu'Internet et peut-être l'intelligence artificielle va être quelque chose qui va introduire une sorte de stabilité à la base de la fiabilité de l'information. Il faut, pour H.G. Wells, il a envisagé une génération d'administrateurs qui ont recréé la société pour enlever cet élément nuisible, destructeur, les restes de l'ancien régime, on peut dire, pour réformer la société. Et après l'avoir réformé, cette génération temporaire se sont retirés du gouvernement volontairement. C'est peut-être quelque chose un peu naïf, un peu irréel, mais c'est quelque chose qu'il faut. Il a dû revenir à ce genre de Deus Ex Machina pour résoudre ce problème. Mais c'est quelque chose qu'on peut facilement discuter dans la science-fiction maintenant. Comment on peut lutter contre les éléments qui veulent dérouter nos tentatives de créer un monde meilleur, de faire un reboot plus juste. Alors, on va commencer parce qu'il y a quelques questions qui sont apparues dans le chat, donc n'hésitez pas, je vais poser. Donc, la première question qui nous a été posée, c'est comment pensez-vous que les productions de fiction, jeux de rôle, romans, light novels, cinéma, etc., etc., vont être influencées par cette crise du Covid que nous avons eue? On a commencé à y apporter quelques réponses, notamment Courte qui nous a expliqué que ça avait changé la vision d'un projet de dessin animé sur lequel il travaille. Si tu me permets, je fais le petit résumé. Donc ça avait changé cette vision où la conception, l'idée que des enfants soient enfermés pour faire l'école à la maison avec des machines paraissait comme totalitaire avant la crise du Covid, et aujourd'hui, elle n'apparaît plus si insensée, vu qu'on a vu des gens. Donc, vous, comment pensez-vous que cette crise va influencer la production de vos travaux? On va se concentrer un petit peu sur ce que vous faites en jeu de rôle, ou en littérature, ou dans le jeu vidéo, etc., etc. Moi, je sais pour sûr, en fait, moi, j'ai eu des coups de fil depuis 2 semaines sur les systèmes de VR. Je sais que physiquement et techniquement et économiquement, le Covid a changé les médiums et les perceptions des médiums qui vont être médias qui vont être investis dedans, dans le jeu vidéo, ça c'est sûr. Même le jeu de rôle sur table, maintenant, on commence à utiliser des plateformes comme ceci pour faire le jeu de rôle table. Avec Skype, Zoom, ou qui sais-je quoi. Et en fait, donc j'ai vu surtout je pense que ça va être un coup d'accélérateur pour le VR et pour le jeu vidéo et pour les jeux de société joués avec caméra et vidéo. Même si c'était déjà bien en partie comme ça fait ça. Et ça, j'ai jamais eu autant de propositions de travail dans ces domaines-là que depuis 3 semaines. Même, c'est juste ridicule. Et ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire qu'on va. Et là, c'est là où je suis content d'avoir autant de gens de jeu de rôle ici, en fait. Le jeu de rôle était, pour moi, peut-être une des inventions du siècle dernier, le plus important, parce que c'était les premières expériences collaboratives.
et où on n'avait pas de gagnant, mais on gagnait ensemble en quelque sorte, jeu sans gagnant et perdant. Je pense que cet accélérateur vers ce type de technologie fait en sorte que on a un esprit, j'espère, l'esprit du 21e siècle, le visage du 21e siècle, c'est un esprit où on n'est plus dans la compétition individuelle, on est dans la compétition pour sauver la planète, pour s'entraider dans le partage, dans même les sacrifices. Je sais que les médias, juste regarder les médias comme ça ou de participer aux médias, c'est quelque chose qui a été accéléré à cause du Covid. Parce que maintenant, les gens, ils ont pris l'habitude de voir les gens autrement. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? L'avenir nous réserve les réponses. Mais j'aimerais bien avoir vos opinions sur ça. Je suis sûr et certain que de toute façon, les technologies VR, AR et surtout tout ce qui est à distance va créer un besoin de contenu fictif pour ces plateformes-là. Oui, d'abord, pour la nature de mes écrits et les idéologies qu'ils contiennent, je crois que le virus ne va changer grand-chose. Depuis une dizaine d'années, comme tous, je regardais comme notre société se plongeait petit à petit dans les années plus noires qu'auparavant. Et je me suis dit qu'il faut avoir une vue optimiste sur l'avenir. La science-fiction de l'âge d'or s'était produit pendant les années très noires. Et quand la civilisation, quand la société entre dans les années noires, il faut l'optimisme, il faut un âge d'or. Donc, je me suis dirigé directement il y a 10 ans vers une vue, une saisie plus optimiste des choses pour la science-fiction. Mais ceci étant dit, c'est très intéressant maintenant. J'ai l'impression, quand j'étais plus jeune, j'ai vécu un peu dans l'Union soviétique pendant le perestroïka. Et j'ai ressenti l'espoir d'un nouveau monde qui était dans l'air à l'époque. Et malheureusement, après la chute de l'Union soviétique, plutôt qu'une utopie, l'Ouest, l'Occident, a commencé à infliger un vrai coup à l'ancienne Union soviétique et à empêcher avec les forces de commercialisme, d'impérialisme, ils ont introduit les forces qui ont pourri cette possibilité d'avoir un meilleur monde dans la Russie. Et maintenant, je vois ici, dans notre monde, il y a plein d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir pour un reboot, un monde plus optimiste, plus environnemental, plus juste, plus égalitaire. Et j'ai peur que cet espoir va être encore pourri par les mêmes forces de capitalisme, de commercialisme, qui vont essayer de nous persuader que il y aura une sorte de commodification de cet espoir, bien que toutes les bases vont rester comme elles étaient avant. C'est l'espoir du capitalisme de ne pas changer ses bases, même s'ils sont maintenant directement confrontés par un espoir de changement. Donc, pour mes écrits, je crois que je vais concentrer un peu plus sur ce conflit entre la possibilité d'un vrai changement social, d'un vrai espoir, et les forces de réaction qui veulent que rien ne change. Oui. C'est ce conflit qui m'intéresse. Avec Mindjammer, par exemple, c'est une société plus utopique à l'avenir. Je suis assez flou sur la manière par laquelle la société s'est procédée d'un passé plus injuste vers cette modernité plus optimiste. Et maintenant, je veux peut-être un peu plus concentrer sur les spécificités des détails de ce conflit. Comment est-ce que c'est possible d'atteindre un vrai reboot?
même devant les forces de réaction qui veulent de tout son cœur que ça ne se passe pas. Alors, on a une deuxième question qui nous a été posée. C'est la SF peut-elle, la SF, le fantastique, la littérature, la fiction en général, fiction de l'imaginaire, peut-elle apporter une réponse à cette période post-Covid? Et si oui, quelle réponse pourrait venir et d'où? Et par réponse, on entend principalement des pistes de réflexion. On a déjà commencé à aborder ce sujet avec notamment Sarah, qui notre éternel optimiste, et il en faut au contraire, il en faut même plus, beaucoup plus. Donc vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Quelle réponse pourrait apporter la SF et quelle piste de réflexion pourrait-elle créer? Je pense que le rôle de... En fait, je ne sais pas ce qui est venu en premier, les sciences ou la science-fiction, parce que je pense que l'un amène toujours vers l'autre. Et je sais que notre rôle en science-fiction, et c'est là où je le rejoins, j'ai eu beaucoup de mal avant des utopies, jusqu'à présent dans ma carrière, parce que les gens ont peur de s'emmerder dans une utopie. Les utopies qu'on nous a vendues depuis 1500 ans, en plus, c'était un paradis où on est avec les anges en train de jouer des harpes. En fait, c'était pas très excitant. Donc, du coup, je pense que on a toujours imaginé des futurs durs et dark et compliqués. Le plus bienveillant des auteurs, c'est pour nous mettre en garde contre les avenirs dangereuses. Mais je pense que beaucoup d'auteurs ont juste voulu créer quelque chose de plus excitant que de s'emmerder dans le 20e siècle. Donc, du coup, on a imaginé des Starship Troopers. Pour moi, c'était une chef-d'œuvre au cinéma. Et excitation, mais il fait. Or, je pense que maintenant, on est prêt. Je crois que je suis prêt enfin, et moi, j'espère, je vais continuer à vendre. J'en ai 15 utopies dans mes placards qui ont été refusées les uns après les autres, notamment cette histoire avec les robots et les enfants, en fait. Moi, je voyais une utopie avec un prof à domicile pour chaque enfant. Là, je voyais ça comme ça. Tout le monde le voyait comme une. C'est un truc horrible. Donc, du coup, peut-être, si ça va dépendre un peu le public, ça va dépendre un peu. Les auteurs ont toujours les utopies prêtes à vendre, la plupart, hein, je pense. Jusqu'on ne les achetait pas avant. Donc, j'espère que peut-être maintenant, avec certaines exceptions, on a vraiment envie de les planter. Je pense qu'on est prêt pour les vrais héros, les vrais paragons, les vrais eidolons qui vont nous amener vers ces. Et on n'a plus besoin des anti-héros, des outlaws, des rebelles, qui étaient les archétypes qu'on utilise depuis 100 ans pour expliquer l'avenir, comment on va changer. On a oublié d'écrire, on a oublié comment écrire un Hercule, on a oublié comment écrire un Achille, on l'a consommé même en tant que bouffeur de fiction. Je pense qu'il est temps que maintenant, et ça va être difficile pour nous tous, je parle pour moi, hein, parce que je suis presque formaté par les archétypes des rebelles et des anti-héros, mais de proposer d'autres types de super-héros ou de citoyens normaux, lambda, qui vit dans une utopie ou qui travaille pour protéger ou créer une utopie. Et ça, si, franchement, ça serait le plus joli siècle qu'on aurait vécu depuis le 13e. Si jamais on arrive à voir un siècle de paix comme ça, là, j'aurais beaucoup de grand espoir pour le troisième millénaire. Je pense que ça commencera bien. Mais en tout cas, je pense que c'est des utopies qu'il faudrait qu'on essaye de faire et j'espère que le public ne les trouvera pas ennuyants et que, bien au contraire, les trouvera comme un challenge sur lequel on peut s'y hisser maintenant. Oui, et je crois pas pour moi, je suis complètement d'accord avec Kurt là, avec tout ce que tu as dit. Je crois que la science-fiction maintenant, il faut oser. Il faut oser à confronter le discours dominant que nous a été donné par notre société. Et c'est quelque chose qui est très clair. Notre civilisation jusqu'ici puise toujours dans la conception d'un héros, oui, d'un individu qui va tout changer. Et c'est le centre, c'est le cœur de notre fiction, de notre conception de la narrative, oui, d'un récit.
Il faut avoir un héros. Ce qui est clair, des mouvements qui se déroulent maintenant dans le monde, c'est que ce n'est pas la question d'un individu. Ce sont des mouvements grands, masse, qui changent la société. Et je crois qu'il faut essayer de concevoir une approche fictive qui discute cet aspect de notre société, que nous, c'est nous comme une communalité qui possède le pouvoir de changer notre société. Il ne faut pas fier sur un individu. Il ne faut pas attendre un individu pour que tout change. On peut unir nous tous pour changer le monde. Et c'est un grand défi pour la fiction, parce que la fiction est basée sur les conceptions de notre société, oui, sur les idées reçues du héros qui réagit contre la masse, qui réagit contre la loi, contre la société. La société est toujours décrite comme quelque chose de très passif, et l'héros est quelqu'un qui se défile contre la société. Où il est exemplaire de cette société. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas facile, je crois. Mais je crois que la science-fiction doit oser essayer de faire cette tentative et aussi de renouveler les termes, la terminologie que nous possédons maintenant. C'est quelque chose qui est très informé, imbué de l'idéologie dominante du capitalisme avec ces héros contre la société, ces héros qui sont là pour sauver le monde, plutôt que le monde peut se sauver soi-même. Alors, il nous C'est pas reste facile. quelques. Ah non, c'est sûr que c'est quelque clair, chose de pas c'est facile, clair. mais c'est un projet absolument magnifique et je pense qu'il faut l'encourager. Il nous reste quelques minutes avant la fin de ce live aussi. Je vais vous poser une ultime question à laquelle vous devrez répondre simplement. Si vous deviez choisir à conseiller à nos spectateurs une œuvre qui traite du reboot, tout support confondu, ça peut être du cinéma, de la littérature, du jeu vidéo, du jeu de rôle, tout support confondu, même du jeu de société, allez, soyons fous. Donc, si vous pouviez conseiller une œuvre qui traite du reboot, laquelle proposeriez-vous à nos spectateurs? Une œuvre existante déjà, c'est ça? Qui traite de Oui, reboot? une œuvre existante. Ah, ou, allez, on autorise. Vous avez le droit à deux réponses si vous travaillez en ce moment même sur une œuvre qui va traiter de ce sujet. J'en ai tellement. En fait, Ah, il va falloir vu choisir. Westworld, la série télé là, telle qui a été faite récemment, c'était quasiment un reboot, quoi. Et je ne l'ai pas vécu quelque chose comme ça depuis Battlestar Galactica, le reboot. C'est drôle parce que c'est deux reboots qui parlent de reboot, en fait. Et effectivement, ça n'a pas de sens. Mais est-ce que la société a. En fait, je crois que la question qui a été posée dans ces deux séries, du coup, j'enchaîne, qui m'a vraiment parlé de reboot, c'est que pour une fois, on a posé la bonne question, en fait, dans une série télé, dans une œuvre. C'est est-ce que l'humanité mérite de survivre le 21e siècle. Ou est-ce qu'on devait la laisser aux robots, ou laisser aux animaux, ou laisser aux arbres? Et je crois que les et de nouveau Westworld, quand il y a ces pauvres robots clones qui essaient de dire hey, c'est notre moment à nous maintenant, laissez-nous parce que nous on est plus collectifs. Pour moi, c'est deux reboots. Je vous conseille Westworld et je vous conseille évidemment, si vous ne l'avez pas vu, Battlestar Galactica, le reboot il y a 10 ans. Reboot. Vinsou? Je vous ai donné assez de temps, les autres, pour. Je peux donner mon avis. Oui, c'est. Pour moi, c'est clair. C'est l'œuvre que j'ai déjà évoquée. C'est La forme des choses à venir de H.G. Wells. J'ai cru depuis que je l'ai lu la première fois, il y a 20-30 ans maintenant, que cette œuvre doit être lue et enseignée dans n'importe quelle école, par tout le monde. C'est pas exactement la solution, mais c'est une vraie discussion, un vrai débat
sur ce qu'on peut faire avec notre société et l'ennemi, le défi qui nous confronte pour avoir la victoire. Donc la forme des choses à venir de H.G. Wells. Très bien, je vous remercie tous pour votre participation à cette table ronde qui fut trop courte, comme Vinsou l'avait dit au début, mais non moins passionnante. Je souhaite à tous nos spectateurs une très bonne suite de festival. Je rappelle que certains d'entre nous et les autres, s'ils le souhaitent, seront présents également sur le Discord de Denis Fiction. Merci beaucoup. Merci à tous. Cette table ronde vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur nice-fiction.fr. Les stands vous attendent sur notre serveur Discord. Pensez également à visiter nos expositions 3D et n'hésitez pas à intervenir dans le chat des conférences et tables rondes si vous avez des questions.